Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le vendredi 22 juillet et qui dit 22 juillet dit qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc je prends un an de plus aujourd'hui. Vous verrez la vidéo dimanche, du coup ça fera déjà deux jours que mon anniversaire sera passé. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant que c'était mon anniversaire. C'est vrai que je suis pas trop du genre à avertir les gens que c'est mon anniversaire ou autre, parce que voilà, pour moi mon anniversaire n'est pas si important que ça. Mais aujourd'hui j'ai 23 ans et du coup je me pose quelques questions sur ma vie, parce que vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo je crois. Mon avant-dernière vidéo, qu'en ce moment j'ai eu pas mal de bonnes nouvelles, comme l'appartement, ma promotion, que YouTube ça se passe plutôt bien. Cependant, je vous avoue que ça fait une semaine que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement et je suis extrêmement fatiguée et je suis surtout très déçue. Alors, je ne suis pas déçue en soi de l'appartement en lui-même. Il est vraiment magnifique, j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur. Et là, je vous le montrerai après, mais j'ai déjà bien aménagé les pièces et voilà, c'était parfait. Mais ça fait une semaine que, en soi, je ne dors pas. Je ne dors pas à cause de mes voisins du dessus. Parce que je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai dit, mais l'appartement en soi, c'est une maison. Une maison que du coup, les propriétaires ont coupée en deux morceaux, donc l'étage et le rez-de-chaussée, et en ont fait deux appartements. Cependant, au niveau de l'isolation phonique, donc entre l'étage et le rez-de-chaussée, il n'y en a pas. Clairement, il n'y en a pas. On m'avait dit que voilà, je pouvais entendre les voisins, mais actuellement, comment vous dire que je ne fais pas que entendre les voisins, je vis avec les voisins parce que j'entends tout ce qu'ils font. Clairement, chaque pas qu'ils font, je les entends. On ajoute à ça les grincements du sol, je deviens folle. Et il faut savoir que c'est les locataires du haut, c'est une famille avec deux enfants de très jeune âge, mais c'est vraiment insupportable, notamment la nuit, de 23h jusqu'à 3h du matin, ça marche, ça grince. Je deviens folle en fait, j'ai pas dormi du tout, et une fois que tout le monde est censé être au lit, je sais que c'est pas leur faute, hein. Je sais que ma propre famille a ces problèmes là, mais j'entends les parents ronfler. Voilà, j'entends les ronflements depuis ma chambre et je deviens folle. Alors sur le coup je me suis dit, et même ma famille m'a dit, qu'il fallait un temps d'adaptation parce que chez mes parents je n'avais plus de bruit, j'entendais plus rien. Mais clairement, entendre ce genre de bruit de ronflement, c'est pas normal. On n'est pas censé entendre le voisin ronfler si malheureusement il ronfle. Et c'est très compliqué, très très compliqué. J'ai envoyé un message au locataire pour leur expliquer ma situation. Ils le comprennent tout à fait, mais ils m'ont dit que malheureusement ils pouvaient rien faire parce qu'ils faisaient déjà attention, et que même avec leur enfant un peu plus âgé, quand ils courent, parce que voilà, quand je vous ai dit j'entends leurs pas, mais quand c'est le gamin qui court, je vous dis pas le boucan que ça fait en bas. Ils m'ont dit que ils essayaient de le canaliser, mais que vu qu'il était jeune, c'était pas forcément évident, parce que ça oublie très vite un jeune enfant. Mais je vous avoue que je me suis sentie très mal cette semaine qui est passée. Ça a été très 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 compliqué. J'ai été très peu souvent à l'appartement, mis à part les soirs, et les soirs c'était un enfer. Donc je vous avoue que mon rêve d'indépendance est à virer au cauchemar. Ça va un tout petit peu mieux aujourd'hui, dans le fait que j'arrive un peu plus à dormir. Mais c'est vrai qu'il me réveille quasiment 3-4 fois dans la nuit parce qu'il marche, parce que par exemple la mère va s'occuper du bébé, etc. Mais voilà, je ne sais pas trop
où j'en suis ou ce que je vais faire. C'est vrai que là je vais contacter la propriétaire, les propriétaires pour leur parler de ça. Je pense que je ne suis pas la première locataire à parler de cette situation de bruit qui est assez insupportable. Mais voilà, clairement je m'attendais pas à ça du tout pour cet appartement là. Durant ma visite j'aurais entendu tous ces bruits, je n'aurais absolument pas posé ma candidature, mon dossier pour cet appartement là, parce que c'est des bruits trop stressants. Il y a dans la rue on entend les tracteurs, derrière il y a des moutons, il y a un chien qui aboie sans cesse, ça ne me dérange pas, ça, le bruit là ne me dérange pas, mais le bruit de grincement de pas juste au-dessus de ta tête, c'est à rendre totalement fou. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, mais voilà, j'essaie quand même légèrement de positiver. Je vais essayer de tenir un peu, ça fait qu'une semaine, voir voilà comment au bout d'un mois ça se passe. Je vais contacter les propriétaires et s'ils ne veulent faire aucun travaux parce qu'ils ne sont pas obligés, eh bien voilà, je leur préviendrai qu'il faut qu'ils s'attendent à ce que très rapidement je dépose un préavis si je ne supporte pas, parce que mon but c'est pas de nuire à ma santé pour un appartement. Mon but c'est de trouver un petit cocon où je me sens bien, où je peux travailler dans le calme, et là clairement pour le moment c'est pas possible. Mais voilà, sinon sinon on va bien, les poneys vont bien, on ira les voir tout à l'heure. Là on est le matin, donc je suis partie en balade avec Miss Laya. Au moins la nature, le calme m'apaise avant de retourner dans mon appartement où je risque d'entendre du boucan. Mais voilà, sinon ça va, je viens de prendre 23 ans, ça ne change strictement rien à ma vie. Mais voilà, donc je vais continuer la petite balade avec la Miss. Ensuite, je vous montrerai quand même un peu l'avancement de la décoration de l'appartement. Même si je vous avoue que pour le moment, je suis plus trop motivée à trop décorer. J'ai pas envie de faire 500 000 trous dans les murs pour au final, dans un mois, devoir tout enlever. Mais voilà, je vais quand même vous le montrer. Donc on est parti pour cette journée qui a déjà bien commencé parce qu'il y a presque 7 minutes de vidéo. Désolée, mais fallait que ça sorte. Par contre, ce qui est très bien là où je vis, c'est qu'il y a plein d'endroits de balade. Là, chaque jour, je découvre des nouveaux coins. Il y a des grandes forêts. Il y a vraiment, si j'avais mes poneys ici, bah, ils seraient hyper contents parce qu'on pourrait faire des balades de malade. Franchement, c'est ce qui permet du coup de supporter là où je vis, parce qu'il y a vraiment des très beaux endroits et c'est apaisant. Franchement, c'est très très beau, mais je vous avoue que dans les forêts, je suis pas forcément sereine, parce qu'avec les chasseurs et les animaux sauvages, j'ai pas envie de me retrouver nez à nez avec un des deux non cités précédemment, mais j'adore, clairement j'adore. Bon, j'ai ma maman qui vient de m'appeler. Il faut croire que la République française souhaitait personnellement me souhaiter mon anniversaire. Aujourd'hui, elle vient de recevoir un courrier à mon nom et c'est un joli petit PV de 45 euros pour un excès de vitesse à payer. Voilà, merci la France, merci la police, la gendarmerie, tout ce que vous voulez, vos foutus radars. Je suis super contente d'avoir reçu ce joli cadeau pour mon anniversaire. Voilà, bon, ça va que c'est que 45 euros et ils attendront la dernière minute pour que je paye. Bon, il est bientôt 15h au final. J'ai eu une amie qui est venue manger ce midi, donc et là je me suis posée un peu. Avant d'aller au poney, du coup, je vais vous montrer un peu l'avancement niveau déco, aménagement de l'appartement, et ensuite je me changerai parce que je suis pas trop adéquate pour aller au poney. Et on ira voir un peu les loulous, leur donner à boire, un petit pansage, voilà, comme d'habitude. Et ce sera bon pour aujourd'hui, donc on est parti. Bon, au niveau de l'extérieur, c'est comme ceci. Alors c'est très provisoire, va falloir que je m'achète un salon jardin, mais ça pourrait attendre l'année prochaine. Mes parents m'ont donné ce petit salon, donc ça servira toujours. Et un barbecue, et ça c'est cool pour les repas en famille et entre amis. Du coup, pour le salon, du coup, on a bien avancé. J'ai de nouveau, là, j'ai ma télé et enfin internet. J'ai beaucoup galéré avec l'opérateur. Niveau déco, j'ai rajouté du coup mon bar avec des petites décorations, toujours dans les tons dorés, blancs, mon petit miroir que j'aime bien. Voilà, bon, il me manque encore des vases pour pouvoir mettre les plantes là.
Et celle-là, là je l'ai mis dans un pot, mais au final je suis pas forcément très très fan. J'ai ajouté les petites étagères ici, donc voilà, c'est vraiment petite déco par petite déco. Je vais devoir retrouver une étagère ici, j'en avais fait, mais c'est de la cochonnerie du coup, ça n'a pas tenu. Donc faut que je rebouche ça pour pouvoir remettre l'étagère là et trouver du coup une décoration au-dessus du canapé, je sais pas encore. Ce que je vais faire, j'ai mon petit lustre que j'aime beaucoup, il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien, ça fait un style moderne, ancien. Mais voilà, pour l'instant, je trouve que mon petit salon, il est plutôt sympathique. Au niveau de la chambre, du coup, ça a bien changé depuis la dernière fois. J'ai eu du coup ma grosse bibliothèque que je vous ai parlé, qui permet du coup de faire un prolongement de couloir. Mon espace bureau qui est quasiment terminé, il faut que je trouve 2-3 petites choses à mettre au-dessus. Mais comme je vous ai dit, je ne sais pas trop avec la situation, donc je fais pas grand-chose. Et du coup là, il y a la tringle, il ne me manquera plus qu'à mettre des rideaux pour faire justement la petite séparation, qu'on ait une ouverture à ce niveau-là, mais que là ce soit caché, qu'on n'arrive pas quand on passe de là à là, face à mon lit. Donc voilà, niveau décoration, j'ai mis des petites décorations en doré que j'ai customisées, des petites étagères, voilà, c'est vraiment très simple, mais je veux pas trop charger, je veux quand même aérer un maximum la pièce. Et à ce niveau-là, du coup, j'ai mon miroir, mais là, je vais mettre également soit une petite commode, je ne sais pas ce que je vais mettre encore, pour que ce soit un peu plus joli. Et voilà. Et pour la cuisine, pour l'instant, il n'y a rien de plus. Voilà, rien de plus que ce que je vous ai montré la dernière fois. Donc ça sert à rien que, voilà, que je vous montre, il n'y a plus grand chose. Mais voilà, pour l'instant, au niveau de la déco, aménagement, donc j'attends de savoir ce que je fais avant de trop poursuivre du coup les décos, les trous, etc. Mais voilà un peu ce que ça donne. Je cherche vraiment quelque chose de très épuré, je veux pas charger. Faut quand même que je mette quelques petites photos des poneys, de l'Aya et tout, mais je suis pas trop photo. Mais voilà, voilà mon petit chez moi qui avance, même si voilà, je ne sais pas trop où j'en suis aujourd'hui. Regardez-moi cette petite panta de... Bah oui, Golden. Bah dis donc, ça va le bidou? Il se remplit bien? Bonjour mon cœur. Ah, je vais te remettre ton masque à mouche. Ton masque à mouche. Ça va mon doudou? Oui. La petite gossip qui est là-bas. Alors oui, ils ont plus leur masque à mouche parce que hier je suis venue. J'ai vu que Bilbao ne l'avait plus. Sauf que j'ai totalement zappé de le chercher. Ah bah non, il est là. Bah c'est bon. Du coup, j'avais enlevé celui de Gossip. Vu que la veille, il y avait eu des grosses averses. Bah du coup, il n'y avait pas eu de mouches le lendemain parce qu'il faisait plus frais que d'habitude. Donc ils n'étaient pas embêtés par les mouches. Donc j'ai dit c'est bon, je leur laisse. Mais là aujourd'hui, il fait de nouveau plus chaud. Donc ils ont... de nouveau besoin du masque à mouche. Pour Miss Golden, j'ai finalement commandé le masque que je vous avais parlé de Mini Your Shop. Donc j'attends de le recevoir. Parce que j'ai trop peur que le faire moi-même, ça me coûte au final plus cher. Parce que quand on voit le prix des matières premières maintenant, bah voilà. Et vu que je suis pas forcément une pro, bah j'ai peur que ce soit mal fait et tout. Donc j'en ai acheté un. Il y avait les mesures. Normalement, c'est censé être bon. On verra du coup si c'est bien ou pas. Sinon, j'en ai marre. J'en ai marre et je vais créer moi-même ma propre entreprise où il y aura les vraies tailles pour Mini. Ça, rigolez pas, mais c'était vraiment un truc qui me tentait bien. Sauf que, bah voilà, encore une fois, pour ouvrir son entreprise, faut de la monnaie. Et vu que c'est pas juste de la revente, mais bien de la fabrication, c'est encore autre chose. Mais ouais, je m'étais toujours dit, pourquoi pas ouvrir mon propre magasin, que ce soit en ligne, hein, mais
de matériel pour petits chevaux et vraiment très petits chevaux, mais vraiment conçus en fonction de leur morphologie et juste pas faire quelque chose de plus petit comme les protections qui sont généralement pas forcément adaptées à leurs membres où c'est vraiment fait mais ça tombe pas juste. Donc vraiment travailler sur quelque chose de très précis vraiment pour que même les plus petits poneys qui font de la compétition ou autres du saut et qui ont besoin de protection puissent en avoir et que ce soit vraiment utile et que ça ne leur fasse pas plus mal qu'autre chose. Et comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, voilà, le box n'est pas un box mais les toilettes des poneys. Comment on fait ? Bah oui, donc on va nettoyer ça. Au niveau de l'eau, bah vu que je suis venue hier, il en reste encore, mais normalement celui-là il était rempli. Et lui, on voit la trace, l'eau normalement arrive à ce niveau-là quand je remplis. Et ils ont bien bu, hein, donc heureusement que je viens de nouveau aujourd'hui et que j'ai pris de nouveau deux bidons. Ils ont tout le paddock pour aller faire caca. Mais non, on me fait caca sur la dalle. Là, là, et même dans mon BRF. Il n'y a pas assez de place pour que... Je sais que c'est toi là. Oui, petite chieuse. Parce que Bibi, lui, généralement, il fait caca toujours au même endroit. En fait, il fait ses petits tas. Gossip, des fois aussi. Ou soit elle, c'est souvent près du fumier. Mais toi, toi, tu t'arrêtes toujours n'importe où et tu lâches ton petit crottin. Ça va pas aller. Je vais te donner le balai et tu vas me ramasser ça. Ah bah oui, là. Quand il s'agit de vraiment faire les choses et assumer ce qu'on fait, il n'y a plus personne. Hein. Nettoyer le masque à mouche de Gossip parce qu'elle s'était roulée et du coup toute la moustiquaire elle était pleine de boue séchée. Alors par contre moi ce que je fais à chaque fois que je leur mets le masque c'est que j'asperge du coup le masque avec de l'anti-mouche. Bon il m'en reste quasiment plus, faut que j'aille en racheter. C'est vrai que vu que Golden n'en a pas, bah, je lui mets très souvent les mouchines de chez Raven et bah là j'en ai plus. Mais sinon sur celui de Gossip et de Bilbao je spritz du coup sur le masque parce que vu que c'est du tissu bah le produit reste dessus beaucoup plus que bah, sur la tête ou le corps des poneys vu qu'il transpire, il se roule etc. Alors que sur le masque à mouche du coup ça restera plus longtemps et les mouches même s'ils ont le masque bah elles seront moins tentées de venir. Voilà mon petit astuce après à vous de la prendre ou pas, mais voilà, au moins je sais qu'ils sont moins sur le masque en fait, donc ils sont moins envahis. Bon c'est bon, tout le monde a eu le petit soin régulier. Bibi et Gossip ont de nouveau leur masque à mouche. Golden, je lui ai mis un max de produits pour qu'elle soit le moins embêtée possible. Hein, mon grand, toi t'es toujours aussi gras. Hein, va falloir qu'on reprenne sérieusement la perte. Hein, parce que c'est vrai qu'avec du coup le déménagement et le fait que je ne dors pas, je suis claquée et je me sens pas d'attaque. En plus, avec la chaleur, rien pour aider. C'est vrai qu'avec Bibi, on ne fait plus grand chose. Bon, ils sont dans le paddock. Le paddock, vous avez vu qu'il a bien été mangé malgré qu'il n'y avait pas grand chose et que tout était grillé. Là, je pense que je vais leur mettre un tout petit peu de foin
à l'autre bout en fait du parc pour que ça les incite à marcher un peu, parce que vu que l'eau est dans le box, bah voilà, s'ils veulent aller boire, ils sont obligés de marcher. Ça les fera toujours un peu bouger. Mais après, moi je vais ranger tout ça et je vais rentrer parce que du coup j'ai ma famille qui vient pour mon anniversaire. Du coup, je vais arrêter cette vidéo ici, en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, à vous abonner si c'est pas encore le cas et à enclencher la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et sinon, bah, moi et mon petit peuple ici présent, nous allons vous laisser et on vous dit à la prochaine. Salut !